Juste avant de débuter, juste après le commencement, une fin d'avant, un après de l'avant. Accroître le besoin dans l'ingérence des excès. On devient vite l'épître des malfaisances et du populisme. Hier, j'ai rencontré une sorte de clown italien, une sorte d'ours trapu à la barbe embroussaillée, poivre et sel, les cheveux en bataille, les yeux, les oreilles et le nez rouges de colère, d'intelligence délétère prise dans le contre-pied du marasme de la pensée néo-capitaliste. Et elle s'y est prise les pieds, cette pensée. Juste avant de débuter, juste après le commencement, une fin d'avant. Pour chasser les idéaux fins, pour l'omnipotence des pouvoirs du fric et de la finance, on attrape dans le micmac de son insouciance un retour de flamme de l'épouvante. Table rase du passé, certains s'en iront dans les prés crier au diable. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Le retour de la chasse aux sorcières est attribué au délassement du nerf qui se laisse suppurer dans une mort certaine. Soyons, mes frères, plus intelligents. Détournons-nous de cette dernière salve de venin malfaisant. Les sorcières et les sorcières sont dans notre camp. Idéaliser son style de vie, l'homme a de tout temps magnifié l'intolérance. Il a permis les guerres, l'idiocratie de la propriété, le cumul privé du capital. Force aujourd'hui de s'en dépêtrer, car nous sommes les rejetons de l'indifférence. Nous ne respectons plus aucune autre particularité que celle véhiculée par l'idéologie dominante. Responsable de l'agonie conceptuelle de notre bel écrin, notre milieu de vie, notre mère, la terre, et son inexpugnable désir d'évolution. Bienvenue à la deuxième escale du voyage du Pi Y. Pour ceux qui avaient été là l'année passée, vous aviez assisté à la première escale, c'était celle du Pi Band. C'était une sorte de cheminement initiatique qui permettait au Pi Y de se découvrir dans son rapport de soi à soi, afin de lui permettre d'entrer en relation de soi à l'autre.
Ici, là, nous vous présentons la mécanique du pi. Le pi grec a grandi. Il est devenu un travailleur. Et son travail consiste à ramasser les débris, les choses cassées de la société et d'essayer de vous les y recycler. Comme une envie de papillonner sur un autre océan. La couleur du ciel, quand dans mon froc coule mon fiel. On avait beau attendre Deus ex machina descendre des cieux, nous apporter paix et plénitude. Les illusions, elles, s'arc-boutaient sous les prétendants de nos chaussures. La caille se maltraitait. Endormant dans la sciure du nonchalant, pendant que les pédestres onomatopées se prétendaient siroter un suc noyé dans de l'oseille calfeutrée. Et j'ai envie de rien faire. Je grelotte de tout mon air, bestiel, sans animal, à refléter la fringale qui me dévaste les intestins. Et j'ai mal, mal, j'ai mal à mon refrain qui ne s'éteint que lorsque mes yeux s'ouvrent sur le monde que je ne veux voir. Caripétie d'insolence, à se jouer de la transparence, sous les lumières tamisées des osmoses gantées de néant, moins le néant, moins. Les foies me replient à la gorge, les lamants me remontent, les ions de la machine à torturer le temps ne dictent plus leurs émotions du présent. Dans la léproserie de l'instant bafoué. Je me meurs de vivre sans splendeur, dans un travail sans labeur qui ne sert qu'à reboucher les trous remplis d'une merde sociétale dont je ne suis pas responsable. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis un éboueur du social. Je ramasse vos vierges peurs. J'avale sous la falaise de l'épouvante tout ce que vous ne voyez pas. Du haut comme du bas. J'étripe les abats, j'écarie les lois pour les ensevelir là où personne ne va, où personne ne va. Car en bon automate, on ne s'intéresse normalement pas à ces choses-là. Normalement pas. Bon ben,
pense que vous l'aurez compris, Pi Y est un assistant social. Et en tant qu'assistant social, il est en première ligne pour vous parler de la sanction. Vous savez, la sanction, cette douce illusion qui sert, paraît-il, à éduquer. Ah, l'éducation par la sanctionnable. Sanction. Sanctionnable, sanctionnable, sanctionnaliste. Profusion de sentiments sanctionnés. Sanctionnés. La morale de notre société est en danger. Il faut y ajouter de la rigueur sanctionnariste. Sanctionnariste. Attention. Faites attention, vous êtes maintenant dans le viseur de la sanction. Au rythme d'un couffin se lavant les mains dans le dépotoir avisé des politiques visant à renforcer l'emploi, fédéral, régional, austérité à tous les étages, régime d'apothicaire, une traînée d'aide financière pour détricoter le social sécuritaire. Une sécurité assurée pour la pensée sectaire, l'emprise de l'entreprise mondiale sous ses airs de laisser-passer, laisser-faire. Enlise l'esprit des libertaires dans un puits où le marasme du sable mouvant semble avoir pétri de terre cuite leur lénifiant discours de révolte versé dans un bain poudre. Attention! Faites attention, vous êtes maintenant dans le viseur de la sanction. Le divertissement que vous propose cette nouvelle ère, ces jeux artistiques, ces déballages d'émotions autistes, cette drogue à tout venant prescrite pour mieux relâcher la pression et se laisser moudre dans une vie sans expression. Ces illusions qui prennent peu à peu le dessus sur le monde devenu marginal de l'imagination imprègnent dans mon esprit la résolution de courir nu dans les allées de mon âme prescrite. Pour qui veut y entrer, en toute sincérité, soyez mage de votre destinée, libérez les chaînes et boulets plantés à vos pieds et immergez dans vos yeux. Laissez-leur la liberté de proclamer par leurs propres essieux le traitement d'esclaves dont ils se chargent depuis toute éternité pour une enclave. Attention! Faites attention, vous êtes maintenant dans le viseur de la sanction. La sanction. Oubliez les vapeurs de l'ivresse. Fantasmez dans la profusion de richesses, le confort est fort con. Il ne sert qu'à faire de nous des mollassons. Une espèce en voie d'extinction, une attraction pour toutes les voix dirigeantes qui bâillonnent les sans-voix à coups d'analgésiques puissants, laissant la seule astronomie réciter ses gammes de bon sens et d'intelligence à l'oreille de quelques érudits. Et pourtant, il existe des prophètes de ce nouvel Eldorado. Pour n'en citer qu'un, il est l'heure de s'enivrer. Lisez ce bouquin, l'écrivain s'appelle Hubert Reeves. Car, sous la contrainte, toujours la contrainte d'un nouvel apogée,
d'un règne de tout temps omnibulé qui a toujours repris sa marche en avant vers la folie la plus destructrice. Puisque nous sommes passés de la hache à l'arc à flèche, puis par l'épée et le fusil pour en arriver au missile et à la bombe. Ah, l'amour. L'amour qui ne se partage que pour mieux s'aimer et se sentir aimé. L'amour de l'autre, enclin de pitié charitable et qui nous fait aimer les guerres, les inégalités, leur tortuosité. Ah, l'amour. L'amour de l'atome, nique dans des déserts d'insensibilité qui veulent se faire passer pour les nouveaux prêches garants de la paix, de l'humanité. Ah, l'amour. L'amour récité dans les livres sacrés. L'amour du sang, du territoire. L'amour du sacrifice et de la culpabilité, l'amour du rien, du néant, de ce sentiment qui nous prend tous dès la naissance, la peur du rien et de la transcendance. Ah, l'amour, sanctions ultimes pour les peuples égarés, sanctions ultimes pour nos êtres divinisés par la matérialité de son action à nous diviniser, de sa bombe à protéger le pognon, le pouvoir, la soumission pièce à des principes forcons de confort, auréolés pour espace de vie typique, dans l'ego surdimensionné d'un homme, appauvri de toute légèreté dionysiaque. Ah, l'amour. L'amour de la bombe atomique. Sanction ultime pour les peuples égarés, sanction ultime pour nos êtres divinisés, par la matérialité de son action, à nous diviniser. Ah, attention, faites attention. Vous êtes maintenant dans le viseur de la sanction. La sanction. Mais vous imaginez bien, tout cela a pris. Il nous arrive à nous, alors assistants sociaux, comme à beaucoup d'autres, d'avoir besoin d'un expédient nous envoyant loin de la violence quotidienne de notre quotidien. Alors, comme beaucoup d'autres, il nous arrive de penser, toucher à l'oubli ou au bonheur quand s'en vient l'heure de l'enivrement par l'alcool. Aphrodisiaque désœuvré, œuvre enroulée de l'abject, de la punition d'un abandon solitaire. À se soustraire à la malédiction d'une réalité à vivre sans rémission. On accourt dans ses travers comme on éteint un feu ouvert sur les trames d'un esprit à découvert, d'une sensibilité couverte de spasmes moribonds, nous semblons bon marché. Cloque régénératrice, triste institutrice d'un nouvel horizon, à voir, à
boire, à découvrir. Puis celle de l'ennui, quand la nuit dépeint le jour, dans un tableau morose. Rose, à l'orée d'une aurore, or, au retour du matin, quand de nouveau labour sillonne le destin. L'alcool. Serein, où les allées pleines ressemblent à des autoroutes, serpentines, coquines, à l'évaporation vaporeuse de nuées distillées dans l'alambic des désirs réprouvés. Sur le trône du réel partagé, décime peu à peu ton sourire, tes dents, ton nez, ta peau, le blanc de tes yeux, la sérénité de tes mouvements. Et pourtant, sa liqueur, sa candeur, ça clique en cloque régénératrice, triste institutrice d'un nouvel horizon à voir, à boire, à découvrir, pucelle de l'ennui, quand la nuit dépeint le jour, dans un tableau morose, rose, à l'orée d'une aurore, or, au retour du matin ou de nouveau labour. Sillonne le destin. L'alcool. L'alcool. Comme une poésie déclamée à l'oreille d'un sourd. Comme une sensibilité qui se cherche en prétexte. Comme une architecture déboussolée. Comme un amas de lettres détricotées dans l'enfantement d'un mot à dégobier. Comme un poison pour s'administrer l'élan d'une tentation à vénérer l'essence éveillée dans le vrombissement d'un moteur à explosion implosé. Lue par aucune portée, comme si l'on était déjà noyé, comme si l'on devait chercher à se retrouver.
Après l'effort et le réconfort de la tentation apprivoisée. Voilà qu'apparaît une nouvelle forme d'avoir envie de se rebaigner dans l'océan d'une réalité partagée en acclamant secrètement son archaïque rédemption. Mon roi en transition, au large les larmes de l'abandon, une baignoire létale à l'abordage, un capharnaüm géant en guise d'amuse-bouche, un caviar avarié de cafards blafards. La peur de la différence, le règne de la transe en cadence, transparence dans une érudition de calme plat, baignant dans un tourbillon de peur volatile, néfaste comme le gaz de schiste qui imprègne les idéaux tristes d'une vie où la croissance, la compétition, la concurrence nous oblige d'accourir aux portes de la soumission biaise, nos pauvres consciences d'humains devenus citadins mondains de la citoyenneté. Archaïque rédemption. Translation à l'apercevoir sous les dévidoirs de l'ivoire, les cornes sans nom, absoutes et réduites à l'esclavage, pire, à l'échafaudage d'un comité où l'espoir s'étouffe dans l'engrenage d'une touffe de génocide aux gencives longues et pourries par l'absence d'un contre-pouvoir inique, sans chapelle, sans dénomination à la solde des savants, de ceux dont on laisse parler de notre voie à suivre, de nos soi-disant sans voix, du parler juste pour s'entendre juste parler, dans le marasme d'une société où je revendique le droit de parole ou parler. Dans ce monde en décomposition, dans cette mare aux canards ceinturés de planètes qui dansent à la lueur de leur soleil, dans cette mixtion d'horizons où l'horizon avance toujours un peu plus loin à mesure qu'on s'en approche, dans cette absolution d'images neutres qui se relatent toujours la même chanson. Je me sens croître par-delà les limites de l'illusion, parcourant en moi les adages de la reconstruction, au-delà des orages et des nuages de la désolation. Mère, le courage,
Père la rage, donnez-moi la force de parcourir en moi les adages confins de l'évolution torrentielle vers laquelle ma condition d'humain me contraint. Au gré des jours de tristesse et des nuits d'allégresse que me promettaient, comme dans un sourire rédempteur, les heures et heures de mon enfance mises à l'abri dans un univers solitaire, comme unis dans le verre d'une pomme de poésie posée sur un quatrain de désir à ne pas me vouloir me voir grandir. Mais il est loin ce temps où la décadence n'était encore qu'un concept, une sorte de petite résonance jusqu'au temps où je lus Camus et sa peste, malade dans mon lit, transpirant la nausée de Sartre, et ce temps perdu dans les travers d'une adolescence extatique, errant dans les travers des strass bucoliques du spleen baudelairien, et de ces overdoses de paradis artificiels. Aujourd'hui est ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ce temps où avec le temps on fait rien. Il est temps de repartir à la recherche du temps perdu dans les allées des souvenirs proustiens. Fin de la première partie. Merci. Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde.